mardi 13 décembre 2022, à la salle de l'auditorium du PDCI RDA à Cocody, a eu lieu la présentation du livre du congrès, suivi de sa dédicace aux militants PDCI RDA. Comment réussir le 13e congrès ordinaire du PDCI RDA est un ouvrage qui comprend un recueil des discours d'orientation du président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan-Bédié. Ce livre, édité par le ministre Nyamé Yao, est un recueil de 696 pages, dont une dédicace au président Henri Konan-Bédié, à sa femme et à Kofi Gadopierre. Ce livre comprend un sommaire qui permet une lecture facile, une note d'avertissement et des pages de remerciements dédiées aux membres du bureau politique. À ce cité en sus, il comprend entre autres les rapports des différents congrès du PDCI RDA destinés aux militants du PDCI RDA, surtout ceux qui ont fait leur entrée au bureau politique en 2019. Au total, 21 discours qui sont des éléments d'apprentissage et 17 communiqués finaux des précédents bureaux politiques du PDCI RDA de 2012 à aujourd'hui. Notons que cet ouvrage a un autre caractère, celui d'instruire sur le passé et l'avenir du parti en étant un guide pratique pour la connaissance des militants. Il permet aussi de se projeter dans l'avenir à travers les grandes orientations que son président Henri Konan-Bédié a données au PDCI RDA. Je voudrais vous remercier et essayer de répondre à trois questions fondamentales. Pourquoi le livre? À qui le livre est destiné? Et combien il compte, naturellement? Je voudrais vous dire que le président Henri Konan-Bédié, en devenant président du PDCI RDA pour la première fois au congrès extraordinaire d'avril 1994, a eu pour leitmotiv de toujours élever le niveau de connaissance des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent être le plus performants possible lors des débats, aussi bien en interne qu'en externe. Et le 29 septembre 2022 à Daoukou, le président a dû se rendre compte qu'il manquait un certain nombre de choses à l'ensemble des militants, notamment certaines connaissances, pour que le débat puisse se dérouler dans la sérénité. Et il m'a instruit le 5 octobre 2022 de rassembler en un seul volume les communiqués finaux des trois bureaux politiques qui ont précédé le 12e congrès, et de rassembler dans le même volume les communiqués des 14 bureaux politiques qui ont suivi le 12e congrès ordinaire du parti. En même temps que nous insérons dans le même volume le rapport général du 12e congrès ordinaire du parti, le rapport du 5e congrès extraordinaire du parti, le rapport du 6e congrès extraordinaire du parti, pour que le débat puisse se dérouler dans la sérénité et en connaissance de cause. En un mot, le président m'a demandé de démocratiser les informations à partir desquelles le débat peut être mené sérénement dans le cadre de l'organisation du 13e congrès ordinaire du parti et puis, chemin faisant, du 7e congrès extraordinaire du parti. À qui le livre est destiné? Le livre est destiné prioritairement aux militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et surtout, à ceux qui ont fait leur entrée pour la première fois au bureau politique autour de 2018-2019. C'est comme si on voulait monter à un arbre et qu'on commençait par les cimes de l'arbre. Donc ce livre invite tous ceux qui sont entrés au bureau politique en 2019 à s'approprier tout ce qui s'est passé en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en tout cas, tout ce qui s'est passé dans la vie du parti avant leur entrée au bureau politique, pour que l'avenir du parti puisse se projeter dans la sérénité. Le président a coutume de dire que le PDCI, c'est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. C'est la raison pour laquelle le président a voulu que nous informions l'opinion publique nationale et internationale des grandes orientations qu'il a données au parti au cours des 10 dernières années, parce que lorsque vous allez à un congrès, le 13e du genre, comme on le prépare, c'est pour faire le bilan. Donc ce livre-là devient la copie du président du parti. Et cette copie-là va être soumise à l'appréciation des congressistes. Et vous ne pouvez pas corriger une copie si vous n'en avez pas connaissance. C'est la raison pour laquelle le président nous a instruit de sortir ce document
pour que tous ceux qui vont participer au congrès, qu'ils soient extraordinaires ou ordinaires du parti, puissent participer en connaissance de cause, puissent faire des analyses critiques de ce qui existe, faire des propositions et des contre-propositions, parce qu'à un congrès, quand on participe à un congrès, c'est pour faire des propositions ou faire des contre-propositions à partir de l'existant. On va faire donc un bilan. Donc voici en ce qui concerne les cibles de ce livre. Le coût, il est de 20 000 francs CFA. Il est de 20 000 francs CFA pour le grand public, si on peut s'exprimer ainsi. Mais il est de 50 000 francs CFA quand il va être vendu en mode VIP. C'est-à-dire que nous avons sélectionné une centaine d'exemplaires et cette centaine d'exemplaires est vendue à 50 000 francs CFA. Quand vous achetez le livre à 50 000 francs CFA, le livre va être paraffé par le président du parti lui-même et le stylo avec lequel le président a paraffé le livre, plus le livre paraffé, vous sont remis en souvenir. Voilà la particularité de notre vente en mode VIP. Et donc le principe de la vente VIP, c'est le premier venu, le premier servi. Cela veut dire que quel que soit le niveau auquel vous vous trouvez dans le parti, si vous êtes venu acheter le livre dans les délais qui vont aller jusqu'à ce que les 100 finissent, vous faites partie des ventes VIP. Je voudrais dire à l'ensemble des militants que le point de vente ordinaire ou normal, pour ne pas dire extraordinaire, c'est la permanence de l'Institut de formation politique qui se trouve au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody. Donc, aujourd'hui, nous faisons le lancement de la vente et après aujourd'hui, le livre peut être vendu, peut être acheté à la permanence de l'Institut de formation politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody. À l'intention de nos doyens qui ne peuvent pas se déplacer compte tenu du poids de l'âge et compte tenu de la considération que nous avons pour eux, ils ne sont pas obligés de se déplacer jusqu'à la permanence. Ils passent un coup de fil, ils nous disent où ils se trouvent et le vice-président Afo, qui est le permanent, se fera fort de leur porter le livre là où ils sont.